Précédemment, dans King Quest 6. Les chaises ne répondent pas. Et maintenant, la suite. Y a-t-il un autre endroit vers lequel je puisse aller? Non, je voudrais aller là. Est-ce que c'est possible que j'aille là? Maison de la fleur pure. Qu'est-ce que... Ah oui, il a dit qu'il fallait que j'aille voir le monsieur d'un truc de pound shop. Bah allons-y. Bonjour! Putain, encore le gold vieux. Nous allons détruire les humains. Tu veux une menthe? Tiens. Voulez-vous une menthe, monsieur? Grrr, non merci, j'en prendrai moi-même une menthe quand j'en aurai envie. Bouffon. Ok. Salut. Excusez-moi, monsieur Cherchant, mais le capitaine du ferry m'a dit que vous deviez avoir la carte magique du pays des îles vertes. C'est exact. Je la garde dans le comptoir, elle est là depuis si longtemps que je l'avais presque oublié. Cela fait des années que je l'ai. J'avais acheté tout ce qui appartenait à un sorcier qui était mort. J'ai acheté tout ce qui... D'accord, oui, non, d'accord. Oui. La plupart des objets étaient des choses magiques sans importance. Ce qui me fait penser que j'ai encore quelques objets qui lui appartenaient et que je dois jeter. De toute manière, la carte magique était le seul objet réellement de valeur. Le sorcier était devenu vieux et faible, et il avait enchanté la carte pour pouvoir voyager plus facilement. Non, pardon. On raconte qu'il suffit de désirer être sur une île se trouvant sur la carte pour s'y trouver à l'instant. C'est, comme vous pouvez l'imaginer, une carte de très grande valeur. Malheureusement, de nos jours, personne n'a envie de voyager. Dans l'état où se trouve le royaume, c'est une chose bien trop dangereuse. Que direz-vous en échange de la carte? Normalement, je n'accepterai que quelque chose de magique en échange. Mais puisque personne ne veut cet article, ne veut ce genre d'article, j'exploiterai n'importe quoi de valeur équivalente. Sujet de valeur équivalente. Un vieux livre à moisi qui sert à rien. Qu'êtes-vous de ce livre? Les livres sont le domaine de mon voisin. Après tout, je ne voudrais pas qu'ils vendent des objets étranges. Sujet. Si j'ai déjà filé. Tu veux une montre de ton propre comptoir? Peut-être la. Non, peut-être la bague. Non, mais non, non. Voilà, ça. Accepteriez-vous mon anneau de famille contre la carte magique? D'Aventry? Vous êtes un roi alors? Non, le roi, c'est mon père. Le roi Grrr. Je ne suis qu'Alexander. Eh bien, prince Alex, l'anneau est très beau. Êtes-vous certain de vouloir vous séparer d'un bijou de famille unique? L'anneau m'est très cher. Vous savez, je n'ai pas toujours eu une famille. Hein? Quoi? C'est peut-être une histoire... Parce que je sais que King Quest c'est une série, peut-être que l'histoire en fait se suit. Ouais, bon. Toutefois, ce n'est que de l'or. Pour l'instant, il y a des choses bien plus importantes dont je dois m'occuper. Prince Alex, vous possédez à présent une carte magique. Gardera votre anneau hors de vue pour quelques jours. Si au cours de vos voyages, vous trouvez quelque chose de valeur, venez reprendre votre anneau. Je m'en voudrais de voir fondre pour l'or. Et attention avec la carte, elle ne fonctionnera que si vous vous trouvez à l'extérieur en vue de la mer. Cette limitation est liée aux éléments de la formule magique concernant la téléportation. La plage est un bon endroit. Merci, vous êtes très aimable. Et je n'oublierai pas de ce que vous m'avez dit à propos de la carte. T'as intérêt, sinon je vais mourir. Attention, le gold arrive! We'll be right back.
Tout d'un coup, le jeune homme à la cape se faufile à côté d'Alexander et d'un mouvement rapide comme l'éclair, il vole une menthe du plat. Wouah ! Ninja ! Toutoum ! Vieil homme fourre la menthe dans sa bouche et sort en vacillant de la maison de près. What ? Ouh, hier. Quelques secondes plus tard, le château. Sous. Maître, j'ai suivi Prince Alexander que vous m'avez gardé et. Et pris un quart de maison près, carte médic. Ah, mais c'était le Gaoud. Idiot, tu as encore mangé de ces menthes, je t'avais ordonné d'arrêter. Oui, maître. Et encore l'œil qui brille. Putain, j'aurais dû faire une boîte Gaoud, je suis con. Mais quelle est cette histoire de carte magique? Avec cette... Attends, comment ils font les Gaoud déjà? Avec cette carte, Prince Alexander peut voyager où il veut. Quoi? Ah d'accord. Avec cette carte, Prince Alexander peut voyager où il veut aussi, bite. Hic! Eh, vite que moi! Et quoi? Je pensais l'avoir éliminé le seul moyen de voyager. Je ne puis le laisser me mettre des bâtons dans les roues maintenant. Shamir, reprends-toi, écoute attentivement, va dans les autres îles et dis-leur. Ok. Putain, en fait, il y a plein d'objets que je rate. Je vais rater des objets dans la... Putain. Et il a disparu le mec. Certes, effectivement, c'est pas facile comme jeu. Hein. Bonjour, Ernesto. Bon, vous désirez. Les trucs que je rate. Parler au monsieur. Je regrette, mais je n'ai pas le temps de converser. Je suis trop préoccupé du sort de la princesse. Excusez-moi, monsieur, vous avez parlé de la princesse? Je vous ai dit que je ne veux pas parler à des étrangers. J'ai dit. Je suis pas un étranger, j'ai. Ah merde, non. Oui, j'ai plus. Des trucs en fait. Tes cheveux, tes lèvres, ton visage splendide et ta grâce si féminine t'ont gazé immédiatement. T'ont gagné immédiatement une place dans ce cœur brisé. Pas mal, et une autre. Sur la rive, l'hélice se penche, préservée de la main du monde, où ouvrage-t-il son lit de terre, où puisse-t-elle ne pas y être? Pouah, voyons un autre. Quelle puissance s'emparerait de moi? Quelle chaîne me paralysait? Que s'emparait de mon cœur avec telle force que vivre sans vous voir impossible était? C'est long. Franchement, ce jeu, c'est pas facile. Bon, peut-être que dans le save, j'ai trouvé plus facile parce que je connaissais. Mais... Ok. Bon. Cassos, mouchage. Cassos, j'ai dit.
Bien, 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 bien. On a une carte magique. Donc il faut que je sois près d'une plage pour m'en servir. Et encore la femme... la mademoiselle. Aucune réponse. Avec ça. Putain, vas-y, bâtard. Encore dehors. Tu n'as pas terminé tes travaux, n'est-ce pas? Oui, belle maman. La maison et les étables sont propres. Alors commence à frotter l'argenterie. Est-ce que je dois toujours tout te dire? Oui, belle maman, tout de suite. Putain, la pauvre. Putain. Par contre, oui, je suis en train de me dire que la meilleure plage, c'est l'autre côté. Putain, mais... Je sais pas quelles étaient les capacités des disquettes, mais... Putain, je suis un peu étonné quand même. Bon. Donc c'est ici qu'il faudrait que j'utilise. Je suis d'ailleurs étonné de ne pas trouver de corps de mes potes. Si. Alexander, prends ces cartes magiques. Île de la Sacrée Montagne, île des Merveilles, île de la Couronne, île de la Bête et pays des Green Eyes. Le... Ouais, et où est-ce que je vais? Juste comme ça. C'est marrant, sans dire un taureau. Sans dire rien du tout. Sans dire un... comment ça s'appelle? Les machins japonais là. Les trucs du yin et du yang. Matagama? Non, Magatama. Ouais, c'est ça. Oui, Magatama. Ça, on dirait un poisson. Alors attends, je suis là, moi, c'est ça. Ça, ils ont dit que c'était drôle. Vas-y, je veux un truc drôle. Alexander ressent une étrange attraction. Wow. Putain, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est les 10. 10 quoi? Pourquoi ne dormez-vous pas comme toutes les autres huîtres? C'est pas des huîtres, ça. Je suis si fatigué, mais je n'arrive pas à dormir, j'ai une terrible douleur dans la bouche. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre bouche? Je ne veux pas être impoli, mais parler me fait trop mal. Est-ce que tu veux une menthe? Ça ne fait rien à petite huître. Est-ce que je peux lire ça? Ça va t'endormir, ça, tu vois. Yeah. Si vous n'arrivez pas à dormir, voulez-vous que je vous lise quelque chose? Hé, hey, bonne idée! Deux dulcima élevés au degré de 40 demi-dulcima, visés en parties égales par un tiers de kakedo à report de 10 Fine Michael! Petit Fine Michael, cependant, tiré sur le total de 53 et 8 bouteilles de graisse de gnou. Donne un verron doré de dimension précise, 2069 centidrils par 3,023,000 et 6 centièmes de pounds. Cela ne tient pas compte quand même, et en aucune matière des variations de température de 5 ou 6 dregs, plus ou moins. Indique une fabrication ou un dérivé suffisamment grand pour exacerber les conclusions obtenues au cours de la procédure normale concernant les dimensions, consistance, masse ou épaisseur inhérents aux coques de bruyère. Mmh.
La pauvre petite huître tombe dans un sommeil agité, il est évident que quelque chose ne va pas. Alexander décide de la laisser somnoler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alexander va dans l'eau pour ramasser l'étrange objet qui flotte. L'océan tira sur les jambes d'Alexander. Cet objet se trouve trop loin. Merde. Tiens, une petite sonnette d'alarme en fait quand t'avances. Certes. On va faire ça. Explorons. Est-ce que je peux aller par là? Alexander entend quelque chose s'approcher. Putain, mais c'est quoi ces trucs là? C'est quoi ça? 5 gardes de l'île, nous sommes. Attention à l'étranger, a-t-il dit. Il a un nez, des oreilles, une langue et des mains et des yeux. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est un homme, il doit mourir. Non, mais c'est quoi ces trucs là? Putain, mais Vladimir en Tchernobyl quoi. Putain, les nains Tchernobyl. Nous êtes l'expérience qui a raté. Nous maintenant voulons nous venger. Si toi humain va mourir, mais d'abord... Tchatché. Altom Tolo, le nifle ce que tu le nifles. Fais ce que tu fais si bien. Ah merde, je suis un homme. Faut que je file un truc à sentir. C'est quoi ça, c'est du PQ? C'est quoi ce truc? Oui, c'est le poème. Petite menthe dans ton nez. Alexander tend l'objet au gnome avec l'énorme nez. Oh putain, ça marche. Quoi? Mon nez ne peut se tromper, Odeldom C. Un homme, ainsi dit notre le nez, dans la mer qui l'attend, il va aller. Ah oh. Oh, c'est d'être tronche. Du coup, je vais me noyer, j'imagine. Les gnomes lancent Alexander loin dans la mer. Là où il ne peut avoir pied. Les courants l'attirent vers le fond. Blubblubblub. À l'écran de mort. Tiki, non, billet, s'il vous plaît. Suivant. Les gnomes pourraient se mettre d'accord. J'avais fait quoi avant? J'avais fait ressortir. Attendez, sortir. Qu'est-ce que ça fait? Oh putain, je sens que ça va foutre la merde, ça. Ah merde, ça m'a... En fait, ça m'a viré de la... Ah. Fuck. Que pouvons-nous faire? Oh putain, ah d'accord, je crois avoir compris. En gros, t'es censé sauver avant de mourir. Putain, c'est salaud ça. Bon. Moi, je vais tout refaire. A plus!